Salut à tous, c'est Arnaud, Ava Archerie. Aujourd'hui, on va discuter du fait d'empenner hélicoïdal, droitier, gaucher, ou si on reste empenné droit. Est-ce que c'est intéressant d'empenner hélicoïdal? Clairement, oui. Pourquoi? Parce que ça stabilise notre flèche beaucoup plus rapidement. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on est droitier que notre tube, on va l'empenner en hélicoïdal droitier. Il y a un test très simple à faire. On va le faire dehors, je vais vous montrer. Et ça va déterminer le fait d'empenner en hélicoïdal droitier ou gaucher sans s'occuper du fait d'être soi-même droitier ou gaucher. Et je vous expliquerai pourquoi, a priori, je pense avoir trouvé, et j'en ai discuté avec des copains, comment ça se fait que notre tube, lorsqu'il sort, eh bien, il a un sens de rotation, il tourne lui-même, comme il en a envie, et qu'ensuite, on va choisir en fonction de cette rotation-là, si on va empenner justement un hélicoïdal droitier ou gaucher. Alors, le test pour déterminer si on va empenner hélicoïdal droitier ou gaucher, il est hyper simple. On prend le tube avec lequel on tire. Évidemment, on va faire l'effort de comprendre que le tube est déjà adapté, il est déjà réglé. Et l'arc en fonction. Et on va avoir le tube nu, à la rigueur désempenné, on en prend un. Si vous avez déjà tout empenné, il va falloir en sacrifier quelques empennages. Et on va matérialiser à la verticale du tube un trait, tout simplement. Donc notre tube se retrouvera ici, le trait on l'a à la verticale. Okay. On va placer ça et on va se mettre à 1 mètre ou 2 mètres de la cible. 1 mètre ça suffira. Et quand notre tube va sortir, eh bien on va regarder de quel côté est parti le trait. À droite ou à gauche, et en fonction de là où est parti le trait, et bien on va empenner, s'il est parti du côté droit, hélicoïdal droitier, parce que notre tube va tourner en hélico droitier, comme ceci. Alors attention, c'est comme si moi je vous disais, il va tourner comme ça. Ok, et gaucher bien évidemment, c'est dans l'autre sens. Donc on va faire le test, tout simple, vous allez voir c'est basique. On se met un mètre, on n'a pas besoin de plus, ça va nous le révéler de suite. Alors, vous voyez le trait ici, là, voilà, j'ai fait un trait vert, voilà, c'est lui qui va me dire si je pars à droite ou à gauche. Voilà, je suis à 1 mètre pour ne pas toucher avec la stab, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, et maintenant on va regarder. Bon, je crois que c'est clair. On le voit le trait. Oui, on le voit. Donc on voit que mon trait, finalement, est parti à gauche. Donc j'ai beau être droitier, je dois empenner hélicoïdal gaucher. Alors maintenant, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est quoi? Pourquoi mon tube sort dans un sens ou éventuellement sort dans l'autre? J'ai fait des essais. J'avais reçu une corde qui ne me convenait pas sur un ancien compound. Et j'ai monté cette corde et j'avais déjà tout empenné hélico gaucher. Et je commence à tirer et je m'aperçois que c'est pas forcément génial. Et puis je m'aperçois que ma corde est torsadée dans un sens. Et tiens, je me souviens que ma corde était torsadée dans l'autre. Donc je tire, effectivement, ça sort droitier. Bon. Et puis je me dis que la corde ne me convient pas plus que ça et que j'ai rien monté dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté la corde. J'ai détorsadé du nombre de tours qui étaient faits. Et j'ai torsadé dans le sens opposé.
et c'est passé de l'autre côté. Est-ce que c'est ça? A priori, c'est ça. C'est le seul facteur que j'ai changé et qui a donné le résultat de suite. Donc, a priori, si on est sur une corde comme celle-ci, qui est torsadée, c'est-à-dire que j'ai l'arc devant moi, et que la torsade, elle est comme ça, c'est-à-dire que je vais tourner comme ceci en montant, ok? Eh bien, a priori, et c'était le test que j'avais fait, a priori, vous devriez sortir un hélico gaucher. A priori. Après, donc est-ce que ça relance le débat? Il y a des cordes pour droitier, des cordes pour gaucher? J'en sais rien. Techniquement, perso, je m'en fous. Le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est que mon tube, lorsqu'il va sortir et qu'il va tourner dans un sens ou dans l'autre, et si j'empenne hélicoïdal, je vais empenner dans le bon sens. Pourquoi? Parce que sinon, on va se retrouver avec le tube dans les premiers mètres qui va dire « moi, je veux tourner comme ça ». Et si on empenne hélico du mauvais côté par rapport à ce que le tube entame sur son trajet, eh bien, on va se retrouver avec une zone de flottement où finalement l'empennage va reprendre ensuite les choses en main, quoi. Donc là, au lieu d'avoir une rotation qui se fait tout le long, on va avoir une rotation qui se fait dans le sens du tube, puis après l'empennage reprend la direction. C'est pas bon, quoi. On va avoir une méchante zone de flottement, et en précision, moi perso, c'est tout faux. Donc voilà, penchez-vous sur ça, si vous voulez empenner l'hélico, c'est obligatoire. Voilà, j'espère que le petit tuto un peu court, simple, vous aura convenu aussi. N'oubliez pas, les petits pouces, abonnez-vous, et puis dans pas longtemps, promis, je fais le tuto sur le spine dynamique. Alors, ce qu'on appellera spine dynamique, c'est-à-dire que ça ne sera pas le spine dynamique en phase de poussée. Hein. Moi, j'ai pas envie de faire de la physique. Ça ne va pas nous aider, ça ne va pas vous aider à comprendre le phénomène et ce que vous allez devoir mettre en place. Okay, je vais vous montrer pourquoi on fait ce que j'appelle moi une petite mesure de spine dynamique, quel est l'intérêt et ce que ça va vous permettre d'avoir au niveau du groupement et pourquoi. À bientôt.